Waouh. Je m'appelle Thomas Alston et je suis directeur des partenariats chez Doxity. Et il y a deux sujets. Il y a un sujet côté patient. En fait, pour le patient, ben, il arrive, il est accueilli, il peut s'enregistrer, donc il identifie son patient, son médecin, pardon. Tu le gardes au montage, ça? Et puis, il s'enregistre pour sa consultation. Et en fait, l'autre intérêt, c'est pour le médecin de savoir qu'il a un patient en salle d'attente ou quand, ben, par exemple, il est au bloc et que ben, il a pris un peu de retard, de commencer à voir qu'il a 2, 3, 4 patients qui sont déjà arrivés en salle d'attente et qui l'attendent. On voit bien qu'il y a pas mal d'opportunités de développement une fois que le patient est venu dans le centre, alors que là où le médecin consulte physiquement, et ben on voit bien qu'il y a pas mal de points de friction qu'on va pouvoir lever et que les bornes font partie d'un outil parmi d'autres, mais sont un outil important pour nous, en tout cas pour gérer le flux et pour permettre, nous, à notre personnel sur site, de vraiment consacrer du temps sur les patients qui sont pas forcément familiers avec tout ce qui est digital, prise de rendez-vous en ligne, et que pour les patients qui sont habitués, ben ça marche très très bien. Et j'ai envie de tout refaire là. Mais bon courage pour le montage.